Ayant signé un accord aux côtés de son mari avec Netflix, Meghan Markle et le prince Harry sont censés produire plusieurs contenus audiovisuels, destinés à être diffusés sur la plateforme de streaming. Celle qui s'est révélée au grand public grâce à son rôle dans la série Suits, avant d'épouser le fils cadet du prince Charles, devait notamment produire une série baptisée Pearl, comme cela avait été annoncé au mois de juillet 2021. Cette fiction devait raconter l'histoire d'une jeune adolescente âgée de 12 ans, encouragée dans son développement personnel par des femmes célèbres. Malheureusement pour Meghan Markle, Netflix a finalement pris la décision d'annuler ce projet de série animée, comme l'a rapporté l'AFP mardi 3 mai 2022. La plateforme de streaming a toutefois assuré dans un communiqué de presse qu'elle continuerait de travailler avec le couple. Pour rappel, Meghan Markle et le prince Harry ont créé leur propre société de production, baptisée Archewell, peu après avoir quitté la famille royale britannique en 2020. Pour justifier sa décision, Netflix a invoqué dans son communiqué des décisions stratégiques, qui concernent également d'autres séries animées. Netflix, le projet de Meghan Markle annulé suite à la baisse des abonnés sur la plateforme. Cette annonce intervient peu de temps après la révélation des mauvais chiffres de la plateforme de streaming le 20 avril 2022. Sur le premier trimestre de l'année 2022, Netflix a perdu 200 000 abonnés. Bien que cela ne représente que 0,1% de l'ensemble des clients du service de vidéo en ligne à travers le monde, ce fut toutefois suffisant pour que Wall Street s'affole. Ainsi, les actions de Netflix en bourse ont perdu un tiers de leur valeur. Après une décennie de croissance ininterrompue, la plateforme de streaming est désormais menacée de stagnation. Suite à ces mauvais chiffres sur le premier trimestre, Netflix anticipe désormais une baisse de 2 millions d'abonnés au deuxième trimestre. Loading widget.